pas mal. Olivier, je suis très content de te recevoir. C'est la première fois que tu viens au micro de... Exactement. Olivier, c'est le formateur immobilier. Mais tu nous diras tout ça. Quelque part, il faut devenir une sorte d'influenceur de ton secteur. C'est-à-dire que... On n'est pas simplement agent immobilier, on est aussi là pour créer du lien dans son secteur, on est aussi là pour aider s'il faut aider. Tout ce qui est bon pour l'image de l'immobilier est bon pour le business indirectement. Et c'est vrai que. C'est bien cette formule, ouais, devenir l'influenceur de ton quartier. Bien sûr, et les réseaux sociaux sont les meilleurs vecteurs pour justement faire savoir ça, dire ben voilà, je suis allé à tel resto, allez-y, c'est top, le patron est super sympa. Faire vivre son quartier à travers des informations, devenir, et ça tu sais que vous défendez ça chez Immo 2.0, devenir une espèce de média finalement. Ouais. Bonsoir, complètement, et ça rejoint tout à fait ma vision du conseiller immobilier de demain, mais même d'aujourd'hui. Rapidement, il faut que le conseiller immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un mandataire, que ce soit un conseiller même salarié dans une agence ou agent pro dans une agence, il faut qu'il devienne entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il soit capable de trouver ses propres outils, il faut qu'il soit capable de prendre des décisions par rapport à son business, il faut qu'il soit capable d'investir. Et c'est là où les nouvelles technologies interviennent, c'est qu'en fonction des conseillers immobiliers, il y aura tel ou tel outil qui sera adapté à sa façon de travailler. En fait, je défends quelque chose qui me tient à cœur, c'est que chaque conseiller immobilier ait son propre système d'affaires immobilier. Alors, système d'affaires immobilier, c'est quoi? C'est sa façon de travailler, c'est les outils qu'il va choisir, en fonction de ses aspirations, en fonction de ses envies, en fonction de sa différence aussi. Donc dans un monde idéal, il devrait y avoir autant de systèmes d'affaires immobiliers qu'il y a d'agents immobiliers. Voilà.